If there's nobody to blame, you let an eye. C'est ça qui me fait rire. If there's nobody to blame. Mais ça m'aide. Regardez le truc trop mignon qu'on a reçu. Trop mignon. C'est donc une petite qui reprend le morceau Hate You qu'on a fait avec Poilo et Bowles. Et qui rate nos paroles. Et là, on a la madame qui veut pas se montrer. Ce regard de l'enfer. Je voulais regarder le live de la Starac en bossant, sauf que ça ne marche plus sur la télé. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait sur MyTF1 Max une chaîne pour regarder les vieilles saisons de la Starac. Donc là, je vais découvrir, redécouvrir, si Jean-Pascal est éliminé. C'est merveilleux. Je savais pas que ça existait, c'est génial. Attention! Et Jean-Pascal reste, mais quelle surprise! Nous sommes actuellement en session avec Tony Kéméré, l'incontournable, alias Guénerf, Tintintin, et on est en train d'essayer de finaliser la petite top line sur Ponyrama. Et ça va être super chouette. Ouais, me demandez pas pourquoi la chanson s'appelle Ponyrama. La suite dans le prochain épisode. Et voilà, et là on a trouvé en fait une petite idée sympathique, un peu mathématique, qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est très mathématique. C'est la première fois qu'on fait ça, en vrai. Mais voilà, il faut innover. Et là, on est en train de poser la petite voix témoin. Allez, à ton tour de jouer. If there's nobody to blame, you left an eye. If there's nobody to blame, you left an eye, don't know. C'est ça, décalage? Je suis gourée de pas? Bah non, je crois pas. C'est bon, c'est bon. C'est tout bon. Essaye avec ta voix un peu, tu sais. Non mais ta voix stylée là, ça donne un côté un peu badass, t'sais. Genre un peu gangster. Gangster. Je trouve que ça donne un côté gangster mexicain. C'est un gangster mexicain qui me menace en faisant ça, c'est pas très menaçant. Bah, moi ça me fait peur. If there's nobody to blame, you left an eye. If there's nobody to blame, you left an eye, don't. If there's nobody to blame. Ah, pichulo. Allez. Ah, bon. Oh! Alors, ça, par contre, c'est un moyen, quoi, mais bon. Surtout, c'est filmé, c'est vlogué. Surtout qu'en plus, on peut se faire démonétiser sur YouTube, rien pour ça. Tu me redis ton intonation? Oui, je sais pas, le truc, mais non, mais non, pas de dépiner. Tu penses, tu t'imagines en croc-top avec une voiture Need for Speed? D'accord. Des Vin Diesel tout autour, tu sais. Pas des Vin Diesel. Une armée de Vin Diesel. Dwayne Johnson, tu préfères? Non, je vais faire Paul Walker. Bon, vas-y, imagine ce que tu veux, mais en tout cas, fais-le, tu sais. Allez, travaille. Hein? Non, rien. Oui, y'a te parlé. Tu vois? Ouais, Keisha, quoi. Ouais. Oui, y'a te parlé. Okay. Mais tu descends après. Oui, y'a te parlé. Y'a que l'an, je suis te malade. Ok. Go to be just in time, but never mind, cause you won't be, do ya? Exactement ça. Perfecto, non? Tout est un peu tard. Il est là. Exactement. Là. C'est que du brouillon. Oui. Comment on dit brouillon en anglais déjà? Draft? Draft, non? C'est poubelle, ça. Poubelle. Non, c'est trash. Ah, c'est trash. Draft, c'est pas ça qu'il fait, justement, Paul Walker avec sa voiture? Il fait des drafts. Des gros drafts. Il fait des gros brouillons, en fait. Il fait que des brouillons sur la piste. Il y a que des ratures partout. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est bon? C'est à pas mort qu'on s'aperçoit que la vie est morose. C'est bien plus tard. Je crois que la vie s'arrêtera. C'est bien plus tôt, normalement. C'est bien plus tôt qu'on ne le croit que la vie s'arrêtera. Pas bien plus vite. C'est bien plus vite qu'on ne le croit que la vie s'arrêtera. Donc là, on est en train d'essayer de chercher des adlibs en mode fête foraine. Donc c'est un peu le brief. Et à la fin, on a envie de faire chanter plein de petits enfants qui sont dans un manège. Et donc là, l'idée, c'est que Lorraine lance une balle au chamboultou et que tu gagnes au chamboultou. C'est quoi déjà? Tu te rappelles du coup comment tu lances ton chamboultou? Yeah. Et quand tu fais ton strike, c'est un truc super aigu là. Waouh. Ouais, exact. On va te laisser le faire en fait du coup, Tony. Ah non, non. Ça c'est nickel. Très bien. C'est une espèce de... Ouais, d'appel de chauve-souris quoi en gros. Hein. Oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on te fait pas faire? Trop bien. Et tu fais... Est-ce qu'on fait un comme ça ou un comme ça? Ah ouais, ça c'est super. Ok, bah alors... Le rire inversé quoi. Sûr, ça va être nul à chier, je préfère. Pas grave. Essaye de faire juste un...
comme ça, tu vois, mais super aigu. Voilà. Voilà. On l'entend presque pas. Il est là. On s'échange les places, moi je vais à gauche, peut-être là. If there's nobody to blame, you left an eye. If there's nobody to blame, you left an eye down. J'avais trop envie de rire. Pourquoi tu rires? Parce que non, c'est bon. Juste la dernière phrase, je l'ai pas faite. Bah, grave, sinon ça fait des trucs qui changent, des enfantillages. Ah, tu filmes en plus? Ouais. Ah. If there's nobody to blame, you left an eye. C'est ça qui me fait rire. If there's nobody to blame. Mais ça m'aide. Oui, oui, moi aussi. Voilà. If there's nobody to blame, you left an eye. Attention, armée de bébés. We'll tell you how we created time to love with hidden eyes. Hidden eyes. Hidden eyes. Hidden eyes. Hidden eyes. Today we'll tell you how we created time to love with hidden eyes. Non. T'es pas un mousquetaire. Yes. Today we'll tell you how we created time to love with hidden eyes. Là-dedans, il y a ce qu'il faut. Vas-y, après. So he sent it to us, and when Lauren was recording, I started to work on a production with hidden eyes and added some guitars. Bah ouais, parfait. When I had the perfect mix. When I had the perfect mix. We sent the track to our sound engineer. We sent the track to our engineer. Sound engineer. Sound engineer. 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 Sébastien Leroux. We send it to our sound engineer, sound engineer, Sébastien Leroux. When I had the perfect mix. Send the track. Send the track. When I, When I had the perfect mix, we send the track to our sound engineer, Sébastien Leroux. On a reçu notre barnum pour le tournage de Il pleut. Du coup, on va tester peut-être tout à l'heure ou demain de le monter. Normalement, ils disent moins d'une minute. Tu penses qu'on va y arriver en moins d'une minute? Moi, je pense qu'une fois qu'on aura le coup, franchement, ça devrait aller. Ça n'a pas l'air très compliqué. Ça a l'air en plus tout en une pièce. C'est ça qu'on aime bien. Il fait super froid. Ça va. Je suis frigorifiée des mains. Non, j'ai couru un peu. Tu me diras, je suis réchauffée. Ouais, j'ai oublié mes gants, moi. Mais au moins, il pleut pas. C'est agréable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en rentrant? Moi, je vais essayer d'enregistrer mon refrain de la chanson pour Vaude, plus les petits bacs, comme ça j'aurai fini. Et envoyer quelques petits mails. Je pense que je vais envoyer du coup à Westband pour la promo, pour lui dire que c'est finalement plus judicieux de faire une promo YouTube. Parce que nous, notre réseau, c'est Insta et YouTube. Et que finalement, TikTok, on n'est pas si actif que ça. Et que en plus, bah, Insta, YouTube, c'est naturel et tout. Faut pas qu'on aille faire du forcing sur des choses, faut qu'on fasse ce qui nous ressemble. Faut trouver l'équilibre aussi dans notre travail. Pas se rajouter trop de trucs. Parce qu'il y a max de taf sur Nitoona. Sur l'UNIS, bah, y a les deux sorties à prévoir, quoi. Les clips aussi, ça va prendre un peu de temps aussi. Nickel, impeccable. Impeccable. On se sent mieux quand les choses sont claires dans l'esprit. Tu trouves ça drôle? Andouille. On fait la course? Non. Allez. C'est sérieux. 3, 2, 1, partez. Mais non, tu fais pas. Parce que j'ai gagné au dernier moment. Bah non. Égalité. Égalité si on compte ta roue. Bah oui. Ah oui. Ah bah oui. Mais si on compte les pieds. Je suis devant. Tu m'as fatigué pour rien là. Heureusement qu'il y a un muffin à l'arrivée. Il y en a même 4 si on dit pas mes parents qu'on a, quand on a pris 2 pour. Nah. J'ai chaud. Pareil. Et en fait, je pense que c'est quand tu cours, t'as trop la flemme de dire mètre. Donc tu dis 800 mètres. Alors que 800 mètres, c'est chiant. Eh, hey, j'ai fait 800 km. Tu vois, c'est horrible, fais-le. J'ai fait 800 km. Et maintenant, fais-le. J'ai fait 800 km. Bon, un kilomètre, ça me va très bien, hein. Kilomètre, kilomètre. Oui, mais bon. En courant, on sent vraiment là. Oui, peut-être. En vélo, on sent pas. Tu vois, c'est que là, t'as dit peut-être. C'est juste que je te dis, moi, je fais pas des peut-être. Je fais peut-être. Non, là, avant, on verra dans la vidéo si t'as dit peut-être. Mais j'ai l'impression que t'as dit peut-être. On verra. On demande la VAR. La quoi? La VAR. Moi j'ai jamais dit ça. Quoi, la VAR? Non, j'utilise pas ça dans mon langage. Genre, c'est
tu dois descendre d'un chevalier, c'est pas possible. Mais la VAR. Je demande la VAR. Mais non, la VAR, V-A-R. Je demande la VAR. Mais c'est le foot. C'était un truc du temps des chevaliers. C'est quoi? VAR, foot. Assistance vidéo à l'arbitrage. Donc je vais te... Attends, il y a des bouches d'égout. Vidéo assistante referees. C'est fini. 10 km. C'est un peu dur de travailler en ce moment parce que j'ai des gros problèmes aux yeux. Genre la lumière me fait extrêmement mal. Du coup là je viens de terminer d'éditer les voix de la chanson True Love. Prochaine étape, prémix des voix et puis faire les petits bacs. Mais pour aujourd'hui ça suffit parce que là ma tête elle est... Donc je vais aller voir ce que Lorraine a fait en haut. Tiens, jus de pomme. Merci. Je viens voir ce que tu fais. J'ai fait la partie parler au début. Il y avait un endroit où ça s'entendait une transition de voix. She breaks to the sky. Du coup, je la refais. Je sais juste pas si je garde le truc d'avant, là. She breaks to the sky. She breaks to the sky. Tu l'as. She breaks to the sky. Dis bonjour à la caméra. Bonjour, caméra. Petite astuce pour les gens qui ont un accent un peu Frenchy, comme moi. Est-ce que j'ai un accent un peu Frenchy? Un peu, mais c'est mignon. Bon, j'ai bien amélioré mon accent ces deux dernières années. Maintenant, j'ai moins à bosser sur mes voix pour avoir l'accent que j'aime bien. Mais bon, avant, j'avais un accent très, très Frenchy. Donc, j'ai découvert, en fait, une petite astuce en essayant des choses. Parce que je m'étais rendu compte que le truc, en fait, qui m'énervait dans ma voix, généralement, quand je chantais en anglais, c'était le fait d'avoir un anglais un peu trop clair. Et moi, j'avais tendance à dire vraiment avant, genre, « My name is » vraiment très ouvert, très brillant, ouais. Et donc, du coup, nous, on a un petit outil qui permet, en fait, de rendre plus ou moins grave la voix. Ça s'appelle le formant. Et en fait, donc sur cette phrase, à l'origine, ma voix, elle est comme ça. My heart is breaking. Donc là, c'est un peu Frenchy, c'est un peu brillant. Et en fait, cet outil-là, il permet de vraiment baisser le formant. Donc je le fais en extrême pour que vous voyez un peu comment l'outil marche. En extrême, ça ferait ça. My heart is breaking. Mais si on le fait un tout petit peu, en fait, du coup, ça rend la voix plus sourde et donc l'accent est meilleur. My heart is breaking. C'est assez ouf parce que, genre, je l'avais fait sur une chanson qu'on a sortie. Et le résultat était assez bluffant, enfin en tout cas pour moi. Après je sais que j'avais envoyé le track aux gens avec qui on bossait la musique et ils ont fait « Mais t'as fait quoi dessus ? Il n'y a aucun changement. » Mais en fait quand t'écoutes vraiment la version d'avant et la version d'après en sachant que j'ai travaillé sur l'accent, il y a une vraie diff et l'accent en fait est bien meilleur avec cette petite astuce. À part si vous avez un accent ouf. Mais bon le mieux c'est de bosser son accent. Et en vrai là j'ai pas fait grand chose sur cette chanson. Donc ça veut dire que petit à petit je pense que j'aurais pu utiliser cet outil là et c'est le but. Ok. En solo. Hop. Choup. Choup. C'est marrant comment quand on travaille, on parle tout seul. Oui. Tu pourras me filmer quand je travaille un jour sans que je sache ouais. Si je parle tout seul pour voir comment je suis. Du coup, je t'ai filmé pour te montrer. Voilà. Tu fais des choup, clouk, pouk. Merci. Il va être content. Alors, c'est tube ou c'est pas tube? C'est tube, c'est tube. C'est un petit truc. C'est bien. Toi, t'es bon public. Bon public. Bon public. Bon public. Ça veut dire qu'on a fini cette chanson. Oui. Biril. J'ai une tête de lapin. On en parlait dans le dernier vlog, on avait reçu une proposition de DMNDS. D'ailleurs, je crois que c'est Diamond. Je crois que j'ai découvert ça pendant la DE. Et il nous avait demandé si on voulait reprendre Gimme More de Britney Spears. Du coup, je l'ai apprise. Parce que je connais beaucoup les vieux morceaux de Britney Spears. Très bien même, parce que ma sœur était très fan quand on était petite. Mais les plus récents, entre 2005 et 2010, je connais moins. Du coup, je l'ai apprise et je l'ai enregistrée. Là, c'est brut parce qu'il n'y a pas d'effet. Tout est au même niveau, les harmonies et tout. Mais en gros, ça donne un truc comme ça. If you're on a mission, you've got my permission. We can get down like a
We keep on rocking, oh, oh, yeah. Cameras are flashing when we're dirty dancing. They keep watching. Voilà, faut que je fasse tous les choix. Faut commencer à connaître finalement les edits, que je mette les effets et on envoie. Et avant ça, je verrai s'il manque des choses parce que là, j'ai pas trop fait de bac. Les bacs, en fait, c'est quand t'as la lead et tu fais la même chose. Avec moins d'intensité quand même, parce que c'est plus des chœurs finalement. Mais la même chose que tu mets tout à gauche et tout à droite, histoire d'avoir un peu plus de corps. Je le fais pas tout le temps, je le fais quand je sens qu'il y en a besoin. Là, je sais pas s'il va y avoir besoin, donc on verra. Pas mal. On va voir si je sais toujours faire big spin. First try. Ça va? Ça va. J'en veux un autre ou le premier est validé? Premier validé. Qu'est-ce que je fais l'autre? Pas que je fais. Ouais. Ça a été bien. Il est bien lui. Oui, c'était la petite rotation d'épaule en fait qui manquait à la fin. Cette feinte. Oh, il a failli du premier coup. Là il compte pas. Il a pas envoyé. Je savais qu'il allait faire ça, je sais pas pourquoi. Trois essais à l'arrêt. Trois essais à l'arrêt, mais à l'arrêt c'est moins stylé. À l'arrêt je suis sûr que je peux first try, non? Oui, peut-être. Mon défaut, c'est ma rotation qui envoie pas assez rapidement. Mmh. On a l'impression que c'est bidon comme ça, mais c'est hyper cérébral. Popper fort, envoyer ta rotation assez rapidement, et après rester au-dessus de ta planche. Ça c'est dans la tête. Rester au-dessus de la planche, c'est qu'une histoire de peur. Ouh. Il était dur en plus. Il était bien. Bon, on se contentera de ça aujourd'hui. Oui. Tu as filmé quoi? Bon, rien du tout, moi j'ai fini, c'était mon practice de... De reprise? De reprise, voilà. La prochaine fois, on fera les flips, mais en mouvement, quoi. On pourra essayer les flips en mouvement, et puis je pense que je referai de la barre, parce que la barre, normalement, je suis pas dégueulasse en barre. Faut toujours aller doucement aussi. Oui. Parce que quand tu reprends, t'as toujours envie de faire les mêmes choses, alors que non. Faut attendre un peu. Faudrait que tu refasses, toi aussi. Ouais. Je tiens quand même à préciser que depuis qu'on a le Barnum, on se paye 7 météos. C'est-à-dire... Pas une goutte. Ouais. Va-t-on pouvoir tourner le clip de Il pleut avant la sortie? Telle est la question. J'ai un doute.